Bonjour à tous et bienvenue dans The Sega News. Et ouais, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas sorti. Voilà, parce que j'avais pas le temps, très clairement, vous le savez, c'est toujours le problème de ce genre de vidéo, c'est qu'il faut coller à l'actu, donc voilà. Et là, justement, mais j'ai un peu de temps, donc j'en profite. Ce week-end, donc week-end de Pâques, il y a une grosse rumeur via une image qui est apparue donc sur Internet, qui présentait donc le Xbox Game Studio et le logo Sega. Donc plusieurs rumeurs sont apparues, je vais vous donner mon avis sur les différentes rumeurs que j'ai trouvées sur Internet. Elles m'ont donné mon avis et vous dire pourquoi pour moi c'est plausible ou pas plausible. Déjà, la toute première, qui est pour moi la moins plausible clairement, c'est que Xbox aurait fait un partenariat avec Sega pour que Sega vende la nouvelle Xbox One X au Japon. En effet, vous le savez, au Japon, Microsoft est extrêmement peu présent et a du mal à percer sur ce marché. Pouvoir proposer eh bien un licensing de sa console à une société qui est un peu plus, on va dire, reconnue sur le marché japonais comme Sega, avec notamment son aura côté salle d'arcade, ou ça aurait pu être d'autres sociétés, hein, comme ça a été le cas notamment beaucoup à l'ère des consoles 16 et 32 bits, eh bien, ça aurait pu être un système intéressant. Maintenant, je pense clairement que ce n'est pas du tout possible. Enfin, je vous le dis, pour moi, c'est de l'intox total. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, Sega 1 n'a plus son réseau de distribution d'hardware comme il l'avait à l'époque. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ils ont pivoté vraiment vers du full software aujourd'hui et depuis quelques années sont dans le positif justement grâce à cette nouvelle politique. Donc ce serait, je pense, une prise de risque très forte, même si Microsoft peut-être injecterait pas mal d'argent pour le faire. Mais je pense clairement que ce serait un mauvais choix de la part de Sega. Deuxième rumeur, ce serait tout simplement que Microsoft aurait racheté Sega. C'est-à-dire que Sega ferait partie donc des nouveaux studios Microsoft. Hein, c'est un peu la politique Microsoft ces dernières années de racheter énormément de studios pour avoir des exclusivités. Je pense clairement que ce n'est pas un bon move de la part de Sega, car eux, justement, depuis 5 ans maintenant, ont décidé de travailler sur du full multi-support. C'est-à-dire que leurs jeux vont sortir sur console Sony, console Microsoft, sur Switch, enfin Nintendo, mais également, qui est le marché le plus juteux pour Sega, sur PC. En effet, il faut savoir que les licences de Sega, eh bien, sont très variées aujourd'hui. Ils ont beaucoup de studios hein, qu'ils ont rachetés au cours des dernières années. Je pense à Atlus. Je crois qu'il y a également des studios comme le studio qui a fait Two Point Hospital, qui est un studio anglais. Enfin voilà, tous ces studios-là, aujourd'hui, font partie de Sega. Et leur objectif, c'est quoi? C'est d'être vraiment sur le plus de plateformes possible. Donc se faire racheter par Microsoft, je vais dire, c'est possible, mais ce serait un peu antinomique avec leur politique de ces dernières années, et je pense qu'en termes de financiers, clairement, ce ne serait pas forcément le meilleur move. Même si, bien sûr, Microsoft, c'est une énorme boîte avec beaucoup de moyens et qui mettrait énormément d'argent dans les développements de jeux Sega, je pense que son indépendance aussi à Sega fait que, eh bien, ça leur permet d'être beaucoup plus libres et de pouvoir également aller sur des projets plus risqués, clairement, en termes d'idées de jeu. Troisième hypothèse qui pour moi serait en effet tout à fait possible, ce serait que Sega développe un partenariat, on va dire, un peu plus fort avec Microsoft, mais n'empêche pas d'aller sur d'autres plateformes. Ce sera un partenaire un petit peu privilégié, pourquoi pas d'avoir des licences qui soient dédiées, notamment des licences un peu oubliées. Je pense à Jet Set Radio, je pense pourquoi pas Panzer Dragon, voilà, pas mal de jeux qui aujourd'hui sont malheureusement dans l'oubli de la part de Sega. Et que Microsoft pourrait travailler sur ces jeux et financer des studios pour pouvoir les développer. Ça, c'est possible. Ce serait une bonne chose parce que ça permettrait de faire sortir quelques licences qui sont aujourd'hui tombées dans l'oubli vers des nouveaux publics, des nouveaux acteurs également, et avec des nouvelles technologies aujourd'hui 2D et 3D qui sont magnifiques. Donc ça pourrait vraiment être, je pense, un bon move, mais pas sûr. Et quatrième possibilité, c'est totalement infondé, parce que c'était censé être présenté en fait à l'E3, hein, donc il y avait l'image qui était présentée que vous devez voir à l'écran, présentait donc cette annonce pour l'E3 justement qui devait se tenir cette année qui a été annulée. Donc on sait que Microsoft va organiser une sorte de conférence en ligne, comme Sony cette fois-ci, donc peut-être que voilà, ce sera annoncé à ce moment-là, mais personnellement je pense que c'est un, complètement du bullshit, c'est une fake image. Et deuxièmement, je pense que ce serait pas positif pour Sega
de se lancer dans ce partenariat. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que ça va arriver, on n'en sait rien à vrai dire. C'est vraiment de la spéculation. Donc voilà, c'est mon avis sur cette folle rumeur de ce week-end. Qu'est-ce que vous, vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que ce serait bien que Sega se fasse racheter par Microsoft ou pas? Donnez-moi vos avis dans cette vidéo. Et puis ben moi, je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Ciao, ciao!